Sors de là! Bon, ben nous voilà partis pour la dernière mission de l'acte 3. Je me rappelle même plus. Si, on va à Rossy-Frémont. Voilà. Si j'ai bien compris, on va aller pirater la truc d'Irak là. La chambre. Enfin, le serveur. Et pour ceux qui prennent le truc en cours, Irak c'est un mec. Hein. Là on est quasiment arrivé. A mon avis ça va pas être fin encore une fois, ça va être de l'infiltration mais comme à ma manière. Irak des morts quoi. Et Damien nous a bien trahi comme un enculé d'ailleurs. Les moyens. Ce sera donc par tous les moyens. Je sais pas ce qu'il a fait là. Ce coup-ci, on oublie Bad Bug. J'y vais seul. J'ai vu l'intérieur, je connais la salle. Irak est quelque part là-dedans. Il va vite comprendre que j'arrive. Il sait ce que je veux maintenant. Cette fois, je repars avec tout. Ok. Donc c'est... même départ que la dernière fois, a priori. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je connais la zone. Voilà. Ça y est, je suis à Rossy-Frémont. Je te vois. Bon, tu vas me dire pourquoi on cherche la merde à ces mecs. Tu veux vraiment savoir? Pas vraiment, non. Il y a un ordinateur à l'intérieur. Oui, non, mais ça va, c'est bon. En fait, la vérité, c'est que je m'en fous. C'était juste pour discuter. Bon, jusque là ça va. Il y a moins de monde que... que les fois, la fois d'avant. Il y a toujours quand même les deux snipers en haut. Oh, raté. En plus faut faire gaffe, il peut appeler des renforts lui. Merde. Qui me... ah non, c'est bon. Ah non. Oh putain oui. T'as géré mon gars. Ah, ça c'est con. Merde. Ce bordel là. Du contrôle des rues. C'est bon. J'en ai aucune envie, mais j'ai pas trop le choix. C'est ça ton problème. Tu réalises pas qu'il y a toujours une meilleure option. Tu restes bloqué sur ces petites aventures qui t'apportent jamais rien de bon. T'as fini? Pour l'instant. Allez, là, hop. Voilà. Ah, putain de flingue. Tu l'as loupé, Jordi. Eh ouais, c'est bon. Je voudrais bien t'y voir, toi. Regarde ça. Clara, tu peux m'ouvrir cette porte? On est sur le coup. Thibaut dit qu'il a une idée. Ouais. Ils utilisent mon système de cryptage sur les portes de sécurité. C'est difficile de le trafiquer à distance, mais ta petite copine a eu une putain de bonne idée. Si t'arrives à couper l'alimentation de la porte, ça va rétablir le code base pendant une demi-seconde. Et tu le connais ce code base? Ouais. C'est même moi qui ai écrit l'algorithme. Alors on essaie? Ah oui, d'accord. Ouais,
Ça a marché. Tu nous remercieras en personne. Sois prudent, Aiden. T'inquiète. Merde, j'ai plus d'explosifs, je suis con. Bon. Il se montre pas lui. Montre ta gueule un peu là. Merde. J'avais pas prévu ça. Vous êtes bien là. Voilà. C'est bon, t'es mort? Putain, lui je l'ai eu, mais je sais pas trop comment. Tu te prends pour un super champion des réseaux? Et ben moi aussi. Oh putain, on m'attend, j'ai l'impression. Bouge pas. C'est flippant. Changer d'arme et changer de technique aussi. Voilà. Voilà. J'aime bien faire ça. Putain, par contre, ils ont bien géré leur level design quand même. T'as plein de planques, plein de. Oh putain! Putain, mais neutralise-le! Ok, ça s'est super bien passé ça. Ouais, super! C'est exactement ce que je voulais faire. Je sais pas d'où je reprends. Bah, je pense de là. Ça va peut-être être un peu long comme mission, hein, mais bon. Ouais, c'est bon, je reprends de là. Ça me gonfle qu'en fait qu'on puisse pas faire ça là et ouvrir la porte, par contre. Tiens-toi prêt, ça là. Ça va être piqué les fesses. C'est un scandale ou quoi? Tu veux me faire bosser ou quoi? Bah bouge pas, va. Merde! Pas un mec juste là? Y'a plus rien qui peut te sauver maintenant! Y'a plus rien qui peut me sauver. Mais y'a plus rien qui peut te sauver à toi! A priori.
c'est pas moi qui vais mourir. Enfin, ça peut, mais... Hop là! Je comprends pas. Oh putain d'enfoiré! C'était juste ça, cette histoire. Genre... Faut que je m'amuse à monter à l'échelle, quoi. Ça va être sympa. À mon avis, je vais être accueilli en héros. Niveau grenade, on est comment? Je peux pas en fabriquer, donc ça c'est un peu con. Bon, voyons voir. Allez, monte. Toi, je vais t'avoir. Eh ben non. Va savoir pourquoi. Il a pas été foutu de tirer. Tu m'as fait très mal. Tu m'as fait très très mal. Il y a des trucs ici à prendre. J'ai pas l'impression. Ça sent le gros baraque et ça encore. Ouais. Bon. J'hallucine quoi. Voilà. Comment on me parlait d'ailleurs les mecs là? Bon, toi t'es mort. Bah toi t'as eu de la chance hein. Tu vas te perdre ici pour toujours. T'es prêt pour ça, soldat? Eh fils de pute, fais signe si t'es toujours là. Allez les mecs, on lui arrache la tête maintenant. Merde, mais absolument pas. Bon là. Eh bâtard. Ah, t'es bien placé là. Ça se passe plutôt bien, hein, on va dire. Ça par contre je le sens pas du tout. J'ai plus de grenades, hein, on est d'accord. Faut que je passe à ça. C'est bon. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas Irak dans le coin là. C'est bon Clara, j'y suis. Tu vas bientôt recevoir des trucs. Oui, je le vois. Ça commence à arriver. Tibone se mettra sur le décryptage une fois que le transfert sera terminé. C'est vraiment gros comme téléchargement. C'est l'arme principale d'Irak, son moyen de pression. Il accumule toutes ses infos depuis des années pour faire chanter les gens. Ok, c'est bon, on a tout. Maintenant ramène-toi, Aiden. Tibone a lancé le décryptage. C'est bon, j'arrive. Sans souci, ça m'étonnerait que ça se passe tout seul cette histoire. M'étonnerait fort que ça se passe tout seul.
sa mère. Te voilà, toi. Crispin? Non, qu'est-ce que je raconte? Pierce, c'est ça? Toi, c'est Pierce. Celui des enchères. Irak! C'est toi qui me pourris la vie, connard? Parce que ça fait pas semblant en ce moment. Moi, je te le dis. Bouge pas, enfoiré. Je vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Tu t'amuses à me faire chier et tu viens fouiller dans mes affaires? Tu veux me niquer mes plans? Irak, ils sont tous dead! Alors c'était toi, l'autre hacker du Merlot. C'est ma monnaie d'échange. Mon chef-d'œuvre à moi. Et toi, t'essaies de me le piquer? Tu m'as volé quelque chose qui avait bien plus de valeur à mes yeux. Moi, je t'ai piqué un truc? Putain, je te connais même pas! Suivez Irak. Tu veux me chercher la merde, c'est ça? Tu rentres chez moi et tu veux me voler mes trucs? Tu sais qui je suis, bâtard? Tu sais? Oh, par contre, pas le pistolet, hein. Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux. Peut-être pas, non. Et t'es la petite pute de Lucky Queen. Oui, mais encore. Ouais, ouais. J'en ai connu plein de comme toi. Des enfoirés qui se croyaient supérieurs. À l'arrivée, j'ai traîné leurs cadavres dans le désert. Là, non. Là, je pense pas, hein. On est d'accord. Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Mais pas en un seul morceau, hein. Et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une femme et des gosses, des frères et des sœurs. Tu te fous bien, je te fous bien. Bâtard. Je pense que niveau famille là, on a connu mieux. Y'a personne qui va venir sauver ton petit cul. Ton sniper est neutralisé. Et la police viendra pas me faire chier. Ici, la police c'est moi. Tu vas crever tout seul. Ouais, c'est mignon, mais je suis vraiment comme un gland là. D'où ils arrivent? D'où vous arrivez, vous? Faut pas faire la guerre à un soldat, mec. Sérieusement, d'où ils sont arrivés, eux? On tape la discute? Je vais me barrer avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros Richard qui demande qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Je vais pas te lâcher, fils de pute! T'es mort! Là, ça va pas le faire, là. Non, ça va absolument pas le faire! Mec, il lui a fallu quand même une demi-heure pour se préparer. On se retape tout le truc! Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux. Et t'es la petite pute de Lucky Queen. Oh, ça par contre c'est horrible. Je l'ai vu venir ça, mais c'est horrible. Va chier. Bon, on va attendre là. Ouais ouais, j'en ai connu plein de comme toi. Des enfoirés qui se croyaient supérieurs. À l'arrivée, j'ai traîné leurs cadavres dans le désert. Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Mais pas en un seul morceau, hein. Et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une femme et des gosses, des frères et des sœurs. Tu te fous bien, je te fous bien. Bâtard. Je fais avec le pompe, du coup.
Allez, enchaîne. Putain. Ça pourrait tellement pas marcher en plus lorsque les bombes que j'ai mis. Ça va être la phase relou du truc quoi. Putain, c'est chaud. On va se faire buter. Putain, c'est la merde. Mais putain! J'ai quand même failli clamser là quoi. C'est pas ça, cousin! C'est juste un job! Voilà. Faut pas faire la guerre à un soldat, mec. Tu crois vraiment qu'on est potes? Qu'on tape la discute? Je vais me barrer avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros riz. Blablabla. Allez! Toi, tu me le voles. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. S'il arrive pas du même côté, mais... Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Tiens-toi prêt, salope. Ça va lui piquer les fesses. Putain, il arrive de notre côté, le bâtard. Putain d'enculé de merde! Mais non! Mais non quoi! Couverture de merde! Bon, les bombes faut que je les place autrement. Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux. Et t'es la petite pute de Lucky Queen. Va chier. Va chier. Là je suis bien énervé. Je suis content. Ouais, ouais. J'en ai connu plein de comme toi. Des enfoirés qui se croyaient supérieurs. À l'arrivée, j'ai traîné leur cadavre dans le désert. Ouais, il m'enfile en plus des EEI. Je préfère les grenades perso. Hein. C'est toi, tu vas voir. Mais pas en un seul morceau, hein. Et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une famille de gosses, des frères et des sœurs. Tu te fous bien, je te fous bien. Bâtard. Reste pas, y'a personne qui va venir sauver ton petit cul. Ton sniper est neutralisé. Putain, je sais plus jouer en plus, ça y est. Putain. Voilà. Oh putain de merde. Voilà.
Oui, je voulais pas utiliser mon Faut pas faire la guerre à un soldat, mec. Tu crois vraiment qu'on est potes? Qu'on tape la discute? Je vais me barrer avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros Richard qui demande qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. On pourra plus trop connaître quand j'en aurai fini avec ta gueule. Rends-moi ça. Mais sérieusement là? Putain, mais je suis invincible moi, c'est quoi ce délire? Bordel! Irak protégeait une énorme quantité d'informations qu'il utilisait pour faire du chantage. Mais il cherchait quelque chose d'encore plus important. Il voulait la vidéo du Merlot. Il n'aura pas réussi à la trouver. Les Viceroy ne mettront pas longtemps à se regrouper et à choisir un nouveau leader. Attendez, il y avait une arme là. Quant à Bedbug, c'est sa chance de quitter tout ça. J'espère qu'il la saisira. Bon ben voilà, c'est fini. Acte 3 terminé. Nous restera 9 missions en fait. Ça c'est fait. Oh, je vais voir les... Putain, 11 points de compétence, je vais peut-être pouvoir... Donc là, il y a quoi? Bon, on va faire ça. Tac. Oui. Aux explosions. C'est combien ça? 4 points. Les objets fabriqués. C'est quoi? Un usage unique pour détecter. Ouais, ok. Ouais. Si tu veux. C'est quoi ça? Ouais, vas-y. Allez. Tu fais pas mal de bruit, mais tu progresses au moins. Je sais ce que je fais. J'ai pas besoin de t'avoir sur le dos. Oh, je crois que si. On a toujours mieux bossé en équipe, et tu le sais. C'est pas une faiblesse de l'admettre. Sois honnête. Sans moi, t'aurais pas les données. Et tu les as, pas vrai? Ouais, j'ai tout. Maintenant, libère Nikki. Ben voilà, je savais que t'y arriverais. Tu vois, on a réussi. Amène-les-moi, maintenant. Et viens seul. Mais quel suspense! Autant dire que ça pue... Ah, attendez, juste à côté là quand même, il y a un truc pour les... Pour les munitions explosives, chose dont j'ai besoin. Voilà, voilà. Bon, ben on va pouvoir en rester là. En attendant, je vous dis ben à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.